si na tuntun genge mo so mara nugu baka ne gware ato afo buruzo onye si na oburu ya hey the gate of four from the gate. Oh! Was that the sign I saw at the bush? Que suis-je en train de voir? N'est-ce pas le grand effort du Mouquet? Oh! Donc c'est le signe que j'avais vu dans la brousse? Hey! Aro! L'inacceptable se serait produit dans ces cas. Kaka no ogun ai tete go bi fi anike ike mbam dis-moi c'est quoi le problème tu ne mets jamais à Paris sous cette forme hein oui je savais que l'inacceptable se serait produit voilà pourquoi tu es là dis-moi. Ike gannam oga de ke si amie Thank you.
That's a winning strike. Great warrior. Le guerrier en personne. Ouais, c'est ça. C'est exact. Exactement. Exactement. Ouais, ça c'est la frappe de victoire. Ike. Vaillant guerrier. Ike. Le grand guerrier. Ike. Salut Okodiki, les grands guerriers du royaume de Omondi. Salutations. Oh, salut, jeune fille vénérée de notre grande prêtresse, Adora. Bienvenue. Merci. Que le Dieu soit loué. La prêtresse nous a demandé de t'accueillir pour cette victoire dans la bataille de la suprématie. Bien sûr. Notre grande prêtresse, Adora. Merveilleuse déesse de la guerre. Comment va-t-elle? Très bien, elle est en merveille. Ok. Oui, Okadiki. La prêtresse est très enchantée de votre victoire. Elle demande à ce que vous puissiez venir dans sa chambre pour célébrer la victoire avec la déesse de la guerre. Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oui, elles ont raison. Nous devons aller dans sa chambre pour célébrer notre victoire. C'est extrêmement important. Je pense que c'est le mieux à faire. Oui. Je ne pense pas que ce soit toujours nécessaire. Ouais, nous étions allés au combat et nous avons remporté la victoire et nous la célébrons déjà. Alors je ne pense pas que ce soit encore nécessaire d'aller chez elle. Certainement, vous ne voyez pas les choses de la même façon que la prêtresse. C'est elle qui est la gardienne de notre culture et tradition. Et tant que telle, ses paroles sont des ordres. La prêtresse a demandé que tu viennes avec nous pour ton rituel. C'est très important. Le rituel? Quel rituel? Oui. Oui, c'est la tradition. Elle a demandé que tu viennes chez elle avant d'aller où que ce soit. Notre grand leader est parti. Salut, les grands guerriers Omondike. Je te salue. La déesse de la guerre te salue. Salut, prêtresse Adora, l'œil des dieux. Bienvenue dans la conquête de Omobiala. Tu es honoré par la déesse. Cela vaut une célébration. Les servantes, sortez le vin de palme qui est fait par les grands Okumwe. Et la nourriture, nous allons nous réjouir. Parce que les dieux nous ont donné la victoire sur nos ennemis jurés. Les Omobiala nous sont assujettis et sont devenus
notre esclave. J'apprécie ça, ma prêtresse. Alors je demanderai que nous allions directement au rituel de la victoire qui sera effectué par toi avant d'aller chez le dirigeant de cette communauté pour la célébration proprement dite de la victoire. C'est comme ça que ça se fait. Oh oui. Le rituel. Oui, ma prêtresse. Le rituel de la victoire qui était recommandé par Agnès, l'avez-vous oublié? Oh oui, je m'en souviens. Je suis désolée. J'avais déjà oublié. Allons-y immédiatement et faisons-le d'abord. Viens avec moi à l'hôtel. Bien beau, Lomo. Il est parti. Ça va. Monia, ça va. Je prie que Dieu te console. Hey. Subite. Hey! Dikana! Hey! Né, courage! Courage, Né! Il est parti! C'est bon! Voilà, prêtresse Adora. Elle te rejoint bientôt. Prends d'abord ce vin de palme en attendant son retour. Ah, prêtresse. Mon grand guerrier. Ouais, tu es là. Pas ton vin de palme. Écoute, je demande que nous allions avec les rituels, s'il te plaît. Le servant y apprête les ustensiles. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te relaxer et de prendre ton vin de palme. Prêtresse, s'il te plaît, il n'y a pas le temps. D'ailleurs, les dirigeants de cette communauté m'attendent pour la célébration de la victoire. Je suis là pour les rituels. Alors, peut-on laisser ceci et faire ça? Es-tu vraiment sûr que rien ne se passe entre eux? Relax. Sois calme, mon cher. Tout va très bien. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu! Wow! Tout ça pour nous? Oui. Sens-toi à l'aise. Les rituels préparés pour toi. Quoi? Par les dieux. Désolé, prêtresse, je ne te comprends pas. Avec toi. Écoute, je ne te comprends toujours pas. Désolé, je ne suis pas ici pour ça. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Fais pas dire, mon cher. C'est bon. S'il te plaît, arrête. Ok, arrête. Je suis ici pour les rituels et non pour ça. En tout cas, c'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un tel repas. Presque une année. Ah, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Hein.
Et qu'est-ce que Ogadike était en train de manger à l'intérieur là-bas selon toi? Regarde comment la nourriture te rend faible. Oh. Ah, je suis un homme fort, non? Qu'est-ce que tu crois? Je suis d'accord avec leur leader. Allez, je suis la cuvette fabriquée. Des dieux pour toi. Je suis là pour toi. Je veux te rajeunir. Non, arrête. Reviens ici, Okadike. Okadike, reviens ici. Mon cher, tu sais... Okadike. Okadike. Au revoir. Merci. Finissez votre nourriture. Revenez, s'il vous plaît. Okadike. Okadike. C'est fini, hein, c'est fini. Hein? Courage, ça va aller. Yarara, alleluia. Hey. Ici Buka, alleluia. Ozo Konkwezane. Ozo Konkwo. So il fait avec Zioku. Donc ceci est vrai. Pourquoi? Pourquoi? On kage na chigisi bekwata. Pourquoi rejoindre tes ancêtres si tôt la journée? Hey, très tôt. Les coqs n'ont même pas chanté pour que tu écoutes. Demandez-le. Demandez-le pour moi. Hey! Le poussin est tombé. La lumière du Moudike a été éteinte. Notre grand leader est parti. Le grand leader du royaume du Moudike. Mon ami intime, Ozo Konkwo. Que nos ancêtres puissent t'assister. Ici. Où que tu sois. Ici. Ici. Ozezibo. Ezemo. Passe devant. Que je vienne devant. Me voici. Obiabo Ogom. Tu es le second dans la lignée pour devenir leader de cette communauté. Obiabo Ogom. Nos ancêtres t'ont choisi.
Hey. Présentement, je vais te rendre l'emblème de ce grand royaume. Comme notre tradition et nos coutumes l'exigent, tu seras couronné comme roi de ce grand royaume. Juste après l'enterrement de Ozo Konkwa, c'est en ce moment-là qu'on va te couronner. Oh. Comment notre grand leader peut nous quitter aussitôt? Même dans un deuil, Omodike est en train de rire. Je peux sentir une victoire qui vient de nous être donnée par nos vaillants guerriers. What was the meaning of that? That was so careless of you. You are warriors. You have been vigilant all the time. You don't need to be that careless. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez si imprudent. Vous êtes des guerriers. Vous devez être vigilant tout le temps. Vous ne devez pas être imprudent. Vous ne deviez pas manger là-bas. Mais non. Hey, n'essaie pas de me convaincre avec ça. Vous pensiez quoi? Arrête de donner des excuses. Nous sommes vraiment désolés. Ça n'arrivera plus. Oui, nous en sommes désolés. Où est Ozoma, ta grande sœur? Elle était allée informer Mazo au carrefour de la mort de notre père. Hey!
Azakon quoi? Notre grand leader est parti. Notre futur roi n'est plus. Qu'est-ce que Zemon a dit? Rien. Il a dit qu'il sera enterré avec honneur, comme le leader de cette communauté. Tu ne réponds plus à mes salutations. Pourquoi? Parle-moi, comme d'habitude. S'il te plaît, parle-moi. Je ne suis pas tranquille. T'ai-je offensé quelque part? Ouzom, écoute. Tu as juste perdu ton père. Hmm? Ce n'est pas le bon moment pour ça. S'il te plaît, va à la maison. Ok, nous pleurons d'abord ton père. Ce n'est pas le bon moment. S'il te plaît, va à la maison. Ah, ça va, ça va. Ce n'est pas le bon moment. D'accord, tu es attristé. S'il te plaît, va à la maison. When we need men like him, why? Gods of our ancestors, why? Le Dieu, pourquoi est-ce qu'on mourrait-il à un moment comme ça où nous avons besoin de gens comme lui? Pourquoi? Dieu de nos ancêtres, pourquoi? Ozo Konko, pourquoi tu es parti comme ça? Tu n'es pas assez âgé. Pourquoi mourir si soudainement sans nous donner un signe? Qu'allons-nous faire du progrès de ce royaume pour lequel tu luttais? Les hommes de bon cœur comme toi ne devraient pas mourir à un moment pareil.
Hey, arrête de tournoyer comme ça. Hey! Okadike, y a-t-il un problème? Tu ne dis rien. Depuis que nous sommes revenus de notre victorieuse guerre contre Umobiala, nous devons célébrer. Nous devons vraiment être... Ojadike, peux-tu t'écouter toi-même? Ouais, nous avons gagné une guerre. Nous avons gagné une bataille. Mais nous avons perdu quelqu'un. Un homme fort, un grand homme de cette terre est parti. Un grand Iroko est tombé. Ozonkonko, le leader intérim, un futur roi de cette terre, est mort. Et vous attendiez à ce que nous célébrions une victoire. Ouais, j'ai gagné une bataille. Mais j'ai perdu quelqu'un. Nous sommes endeuillés. Nous sommes censés pleurer et pas célébrer. Je ne suis pas de cette humeur, s'il vous plaît. Alors, qu'allons-nous faire? Okadike, qu'allons-nous faire alors? Que sommes-nous censés faire? Devons-nous rester ici à pleurer pour toujours? Ibeko, laisse-moi tranquille, va chez toi et pleure. Je suis endeuillé, s'il te plaît. Priestess, what are you doing in my heart? I mean, this is quite unusual. Greetings, the greatest warrior of our time. Mes salutations. Prêtresse, qu'est-ce que tu fais? Chez moi, ton apparition ici est un fait inhabituel. Mes salutations, grand guerrier de notre temps. La déesse de la guerre est contente de tes progrès. Ah, merci. Je veux l'emmener à un niveau supérieur. Ok, un niveau supérieur. S'il te plaît, j'ai pas compris. Je vais te rendre le plus grand. Pas seulement le plus grand, mais le plus riche dans tous ces nefs au village. Ok, mais comment penses-tu faire ça? Je veux dire, comment c'est possible? Oui, je peux le faire. La déesse de la guerre peut te rendre le plus grand et le plus riche dans tous ces royaumes. Si seulement tu l'acceptes... Accepter quoi? Épouse-moi et je te rendrai le plus grand dans tous ces royaumes. Bonjour, oh, la voilà qui arrive. Je suis désolée pour le retard. Tu connais mon père. Il me fait encore demander de faire pour lui quelque chose. Ça va. Enfin, tu es là. Comment tu vas? Je vais bien. Et alors toi? Je vais bien. Tu vois, je ne suis qu'en train d'arranger certaines choses. Et tu vois, en tant que guerrier, je suis en train de me préparer pour quelques combats encore. La prêtresse. 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 Mais il faut la suivre. Prêtresse. Es-tu venue chercher? Vas-y. Non. Cours après toi. Elle. Es-tu sûr? Oui, elle se portera bien. Elle se portera bien, d'accord. Non, ça va. Ok, allons à l'intérieur, elle sera bien. Non, allons à l'intérieur, elle sera bien. Ok? Quelle humiliation! Quelle insulte!
Quelle audace! Dike est l'homme que mon cœur aime. Mais cet crétin, cet faurien, vient se pointer sur mon chemin. Cette fille est moindre pour m'enfronter et épouser Dike. D'abord, c'était ma cousine. Ma pauvre cousine Ifunaya. Maintenant, c'est celle-ci. Dike, si seulement tu peux comprendre combien je t'aime. Si seulement tu sais combien je vais te rendre le plus riche et l'homme le plus fort de ce royaume. Si seulement tu savais. Dike. Salutations, ma prêtresse. Votre cœur est troublé. Ne nous dites pas que vous continuez de penser à lui. Ma chère, tu ne comprends pas encore ce qui c'est l'amour. L'amour est plus fort que la douleur. Mon cœur le veut. Il est le seul homme que j'ai jamais aimé dans toute ma vie. Ma prêtresse, suivez votre cœur. Elle ne peut pas voir ce qui vous appartient. Dike va bientôt revenir à la raison. C'est ce que tu penses. Je le sais bien. Aucun homme conscient ne peut rester dans des erreurs. Il va revenir à la raison. Je sais. Je sais qu'il reviendra dans ses sens. Je sais quoi faire. Priestess, you're welcome. Hail Oka Dike. Prêtresse, bienvenue. Hey Oka Dike, le plus fort et le grand guerrier de notre royaume. Je suis là pour toi. Prêtresse, que fais-tu chez moi? Cette visite est très inhabituelle. Bien. Je suis venue te démontrer l'amour que j'ai pour toi. Pour quelqu'un comme moi, quitter mon hut et venir jusqu'ici, veut dire tout simplement que tu es spécial pour moi. Wow. Les mots d'une femme brave sont comme un aimant qui attire un morceau de fer. Bien qu'il puisse apparaître attirant, très parfait au commencement, mais à la fin, peut être une destruction. Les paroles d'un homme brave sont aussi douces comme du miel. C'est très doux pour son amour de les entendre.
L'amour est plus fort que la douleur. Écoute, Okadike, quand je dis que je t'aime, ça veut dire tout pour moi. Alors je suis là pour te déclarer mon amour. Prêtresse, je te l'avais dit avant. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas disponible pour toi. Selon les dieux, Ijoma, la fille des Zibo, n'était pas destinée. Ma cousine Ifunaya, ma pauvre cousine Ifunaya, sa mort a laissé un vide qui ne peut être comblé que par une personne de sa lignée. Je n'attendais que toi pour me proposer, pour venir à moi, mais tu ne l'as jamais fait. C'est pourquoi je suis venue ici, pour en parler avec toi. Ok. Un vide. Alors, qui va remplir le vide? Toi? Oui. Allez, mon guerrier. Écoute-moi. J'ai tout ce qu'il faut. Tous les potentiels. Pour combler ces vides. Tu sais pourquoi? Moi, je suis l'œil de Dieu, la servante la plus puissante de ce royaume. Et l'union entre toi et moi rendra ce royaume l'un des plus grands. Et tu le sais bien, n'est-ce pas? Prêtresse, je dirais que je suis très impressionné. Mais, prêtresse, s'il te plaît, avec tout respect, Je m'entraînais quand tu es arrivé. Alors ça ne te dérange pas, je veux que tu partes. Ok? Va-t'en, je veux continuer mon entraînement. N'ose pas me repousser. Oh, allez. Veille sur tes paroles. D'accord. Je ne voulais pas te manquer de respect. Mais maintenant, prêtresse, tu es en train de me pousser. S'il te plaît, juste va-t'en. Ne me pousse pas non plus, Okadike. Ne me pousse pas. Ouvre tes oreilles, Okadike. Le fait que je quitte mon nut pour venir dans cet endroit ne te donne pas les kilos de me parler d'une certaine manière. Je suis l'œil de Dieu. La prêtresse de Dieu de la guerre. Ne me pousse pas. Okadike, n'ose pas me pousser. Je vais m'en aller. Prends le temps de réfléchir sur ma proposition. By the gods, why do I feel so attracted to him? Despite his hesitation to my love advice. Les dieux. Mais pourquoi je me sens très attirée à lui? En dépit des excitations et des avances que je lui fais. Pourquoi mon cœur est très lié à lui et à lui seul? Mais pourquoi il ne peut pas comprendre ça? Mais pourquoi il n'arrive pas à le voir que je suis la volonté de Dieu pour lui? Pourquoi? Hmm.
Okadike, si je ne réussis pas à t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Father, where do you think you're going to? Father, I'm going to see Dike. Ijeoma. Papa. Où penses-tu aller? Papa, je pars voir Dike. Je t'ai averti plusieurs fois sans compter d'arrêter de faire quoi que ce soit ou de voir ce vagabond, mais tu ne veux pas écouter ton père. Hein? Papa, dis que mon amour n'est pas un vagabond. Il est le plus grand guerrier que ces royaumes aient connu. Papa, pourquoi es-tu contre lui? Pourquoi? Donc, c'est tout ce qui t'intéresse. Hein? Onya malomboeni lozoasi abozu. Aussi tenon babobia. C'est abominable. Ouais. Je ne comprends rien. Ok, tu comprendras. Ce que un vieux voit assis, même si tu escalades la plus haute montagne, tu ne vas jamais le voir. Maintenant, je t'interdis, dorénavant, de voir ce garçon. Je ne veux jamais te voir avec lui ou faire quoi que ce soit avec lui. Non, papa. Mais si tu veux me défier, essaie et tu verras. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi seulement moi, papa? Pourquoi? Ok, tu continues à me poser cette question. Garde! Garde! Papa, s'il te plaît. Garde! Papa, je t'en prie, ne fais pas ça. Arrête. Votre Majesté. Dorénavant, surveille-la. N'importe où elle veut aller, faites-moi savoir. Surveille-la. Dorénavant. C'est compris. Va à l'intérieur. S'il te plaît. Papa, allez, ne bouge. Me touchez pas. Papa, pour... allez, va à l'intérieur. Ne me touchez pas. Papa, pourquoi tu me fais ça? Il faut la surveiller. Ne me touchez pas, je refuse. Il faut la surveiller. S'il te plaît, papa. Il faut bien papa, la surveiller. S'il te plaît. Conduis-la à l'intérieur. Regarde-moi ça. Papa. De n'importe quoi. Tu cherches à me défier, non? Et si on verra qui est le chef de cette famille? Tu veux me défier? Oui, oui, une fille stupide. Continue à ne pas m'écouter et tu verras ce que je vais te faire. On verra qui est qui dans cette maison. Je vais te montrer dans cette maison de quel bois je me chauffe. Mon homme fort, je t'ai dit que un jour, je serai le leader de cette communauté. Voilà. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Et très bientôt, je serai le roi de ce royaume. Oh, d'accord. Je ne l'avais jamais cru. Jusqu'à ce que tu le dises, c'était juste comme de la magie. Comme si les dieux n'attendaient que tu sortes cette phrase de ta bouche. Oh, on est aimé. Les dieux sont avec moi. Tout ce que je dis, ils réalisent ça. Ça, c'est bon. Boire, amuse-toi, sois à l'aise. Il faut fêter. Je veux que vous dépensiez, profitez de mon argent. Célébrer. Je ne sais même pas pourquoi les autres anciens ne sont pas là. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont censés être ici en ce moment. Hein? En tout cas, tu sais comment est ce monde. Certains gens ne sont pas contents quand ils sont censés être contents avec toi. Mais tu ne peux pas savoir s'ils sont contents ou s'ils ne le sont pas. Manoba Sarao, pour moi, c'est de faire sortir l'argent, rendre mon peuple heureux et le laisser en profiter. Ouais, c'est bien d'être heureux et profiter un peu de la vie avec eux. Salut. Ojibo Nyaou. Qu'en est-il de la nourriture? Je pense que c'est premier. Je le prépare. Tu es toujours sûr, ça? Tu sais qu'il y a beaucoup de nourriture. Mais, Naï, Mazi Beka et toi, vous ne serez pas finis pour cette nourriture. En quoi cela fait ton affaire? Tu parles de quoi même? Les autres arrivent. Va apporter de la nourriture. Vas-y, je vais rapidement. Okay. Ils sont en route. Oui, Oso Idib. Oui. As-tu informé d'autres anciens concernant cette présente réunion? Oui, je les ai informés moi-même. Ouais. Parce que
vieux. Mazie Udoka et Obi qui venaient de rendre visite à la famille de Ozo Konkwa. Et je leur ai dit que je venais ici. Ils m'ont ouvertement dit qu'ils ne viendront pas. Ah. Pourquoi? Et quelle est leur raison? Il n'y avait aucune raison particulière, mais ils ont juste dit que les gens ne sont pas censés fêter quand le royaume tout entier est en deuil. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais aussi, Ozibo. Je comprends bien leur position. Tu sais, notre cher Ozo, son corps est toujours là. Il n'a pas encore été enterré. Donc, si j'ai appelé mes frères aînés de venir célébrer et s'amuser avec moi, j'ai fait mal? C'est ce que tu dis? Est-ce que j'ai appelé tout le royaume? Ça paraît tellement suspect que tu n'es pas en train de pleurer ton prédécesseur. Ichiebe, tu es un dangereux suspect. En fait, c'est tu es le suspect numéro un. Je commence par te suspecter. Tu es avec eux. C'est pourquoi tu fais sortir ces bêtises de ta bouche. De n'importe quoi. Dans ces cas, je pense que je devrais m'en aller. Il faut partir. Allez, vas-y. Oh, merci, Beka. C'est bon, la nourriture est prête. Si la nourriture est prête, apporte-moi ça. Il est sur le point de partir. Vas-y. Vas-y, mais continue ton chemin. As-tu préparé de la viande ou du poisson? C'est ça. Il n'y a pas de problème. Serre-moi, je vais manger. Il n'y a aucun poisson. Il n'y a rien. Arrête ça. Va chez toi. Arrête ça. Il n'y a aucun poisson. Continue ton chemin. Ah, arrête ça. Ah. Allons-nous nous quereller pour la bouffe, vraiment. Ichiebe, ne te vends pas moins cher. J'arrive, Naï. Ibiche. Yaboure Koudje, la chalou. Ebu Gouli Gouguia. De quel paka parles-tu au juste? Agmatia. I've made up my mind already. Oh, sure. Yes. Don't you think the priestess is... I like that, lady. I like that girl. J'ai déjà pris ma décision. Oh, ouais. Ne trouves-tu pas la prêtresse belle? Je l'aime, oh. Je l'aime bien. Moi, je l'aime. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas mal, mais... Non, mais regardez-moi cette beauté. Oh, mon Dieu. Idioma, tu ne devrais pas venir si loin pour me chercher. C'est la meilleure chose que je peux faire à ce moment. Sinon, je n'allais pas vraiment te voir. Peut-être pour toujours. Mon père m'a interdit de te voir. En plus, il a mis des gardes devant ma case pour que je ne sorte pas. Ils me poursuivent partout pour connaître où j'ai pars. Hein? Ça commence même à m'énerver. Pourquoi ton père me déteste jusqu'à ce point? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Okadike, s'il te plaît, je vais te demander d'avoir un peu patience, s'il te plaît. Je t'en supplie. Écoute. Ton père me déteste. Il a rejeté toute la proposition de mariage que j'ai offerte. Qu'y a-t-il? Hein? Il ne répond même pas à mes salutations. Okadike, je suis en train de te supplier. Peux-tu un peu avoir patience? Patience, c'est ce que tu as toujours dit. Ouais, c'est ce que tu as toujours dit. Et les choses vont de mal en pire. J'ai toujours l'espoir qu'un jour mon père va changer son avis. Et nous allons bien être ensemble. S'il te plaît, je t'en supplie. Il va le réaliser un jour qu'il ne vient même pas. Hein? Okadike, s'il te plaît. Vraiment. Je t'en prie. S'il te plaît. Sois un peu patient, ok? Écoute, je suis en train de perdre l'espoir. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais encore attendre. Je suis en train de perdre l'espoir, hein? Je t'en prie. Ok. S'il te plaît. Ijoma! Ah, Iruka. Where are you going to? You look worried. Iruka, I am confused. Ijoma,
Ah, Iruka, où vas-tu comme ça, avec un air troublé? Iruka, je suis confuse. Je viens bien de sortir de mon hutte pour prendre un peu d'air. Tu sais que mon père m'a interdit de voir Dike. J'ai vraiment très peur, je suis aussi confuse. Mais ça va aller, tout ira bien. Dike fait de son mieux pour toi. Ce jeune homme a souffert attendant que ton père change d'avis. Regarde ce qui se passe. Il risque d'aller épouser une autre personne. Tu sais que c'est toutes les servantes de ce royaume qui rêvent de lui. Toi aussi incluse? Non. Iruka, as-tu perdu tes sens ou quoi? Non. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais je sais ce que je t'ai dit. Je ne suis qu'en train de te dire la vérité. Ton père ne va pas accepter Dike Et quoi? Si tu oses encore le dire, je te dis la vérité. Je veux perdre ma tête sur toi, je te le jure. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Je ne suis contente de t'étaler la vérité. Puisque ton père ne veut pas que tu te maries avec Dike, pourquoi tu n'épouses pas Ouoma, les grands commerçants? Iruka, je pense que tu étais une amie pour moi. Je ne suis pas ton ennemie. Je sais combien j'ai chéri notre amitié. Hein? Je ne dois pas te cacher certaines évidences. Dike est mon amour. Dis juste que Dike est ton pain. Oui, dis-le. Hein? Ok, Zugo, tout ira bien. Je suis vraiment confuse, je te dis, ma chérie. Okadike is about to make the greatest mistake of his life if care is not taken. How do you mean? If he fails to... Okadike, tu ne me comprends pas du tout. Okadike est sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie s'il ne s'y prend pas bien. Que veux-tu dire? S'il n'épouse pas la prêtresse Adora, il le regrettera toute sa vie. Comment? Mais demandes-tu comment? Ne peux-tu pas voir que la prêtresse est élégante et exceptionnellement belle? Une femme aussi influente. Et si dit qu'elle épouse, dis-moi, qui sera plus grand que ce couple dans ce royaume? Ibekoe, à qui est-ce que tu parles comme ça? Regarde, le mariage est basé sur le vrai amour et non sur l'influence. Regarde-toi. Nous parlons de l'influence. Nous parlons de l'argent. Nous parlons de l'élégance. Et toi, tu me parles de l'amour. C'est quoi l'amour? Sais-tu de quoi tu parles? Ibekoe, Dike n'a pas besoin d'argent. Et encore moins de l'influence. Après tout, le plus grand guerrier de ce royaume est déjà fiancé. Pourquoi parles-tu ainsi? Ça montre combien tu es de bas esprit. Juste écoute-toi. Hein? Qu'est-ce qui a du mal à être appelé l'homme le plus riche de ce royaume? Ne sais-tu pas que quand tu fais l'argent, tu auras envie de faire encore plus d'argent et plus? Hein? Okadike a fait l'argent. Y a-t-il de mal s'il devenait l'homme le plus riche de ce royaume? Hein? C'est ce que tu penses. Étant un bon ami, je lui demanderai d'oublier Ijoma. Surtout que son père ne veut pas qu'il l'épouse. Hein? Tu vois, après la mort de Ifunani, ce que Dike aurait fait était d'épouser la prêtresse Adora immédiatement. Tu en es certain? Oui! Dike is trying my patience. Dike is trying my patience. My priestess, easy. Please take it easy. I believe he... Dike me fait perdre patience. Dike fait perdre ma patience. Ma princesse, calmez-vous. Ayez vos apaisements. Je suis sûre qu'il finira par répondre à ses sens. Notre prêtresse, je veux vous conseiller de le laisser. Laissez-le partir. Toutefois, il n'est pas le seul homme sous la terre. Juste arrête. Sais-tu ce que signifie tomber amoureuse? Mais quand l'amour n'est pas réciproque, tant mieux laisser. L'amour, c'est la patience.
dit qu'il n'a pas d'autre option. J'aurais appris que Ozo Isibu a un autre prétendant pour sa fille. Et si Dioma refuse d'épouser l'homme en question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh. Ijoma. Ijoma. Essaye de m'affronter. Elle ose se mettre sur la même table que moi. C'est simple. Mortel. Ma prêtresse. Je crois que vous avez été trop large avec ces problèmes. N'est-ce pas que c'est vous l'œil des dieux? N'est-ce pas que c'est vous le mal qui vient ravir le sourire des gens? Vous ôtez la vie des gens pendant que tout leur semble rose. Vous êtes la prêtresse de la déesse de la guerre. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais exactement qui je suis. Je ne produis pas le froid et le chaud au même moment. Si ce n'est pas le froid, ce n'est pas nécessairement le chaud. Mais si je produis le chaud, aucun homme, je répète, aucun homme issu d'une femme peut me résister, et même pas une femme. Hey, où est Maïsi? On est quand même. Ah! Oso! Hey, qui je vois là? Ah! Ozo! Tu es le bienvenu, Ezubuego. Tu es le bienvenu. Je suis très content de te voir. Tu es le bienvenu. Merci. Ozo Ezie. Bien, je suis venu ici avec ce petit présent pour toi, comme j'avais eu le tien avant. Hein? Oui. Una no kwano. Aka kwalu no binwo. Hein? Hey! Bien, qu'est-ce que je vois là? Mon bout est beau. Ah. C'est bête. Mais que tu appelles? Petit cadeau? Hey! Maman Ijoma, où se trouve ma femme? Hey, viens voir pour moi. Est-ce que tu vois ça? Salutations, Mazu Oma. Salutations. J'espère juste que ça. Mazu Oma est venu avec tout ça. C'est vrai ça? Et il dit que d'autres viendront encore. Ce n'est pas juste dans 3 semaines. Il était ici avec des cadeaux. Oui. Tout ce que vous voudrez, mes chers. Merci. Ce n'est rien. Où se trouve ta fille? Va appeler ta fille. Hey! Ijoma! Tu es toujours le bienvenu chez moi. C'est toi le meilleur, tu sais, non? Que viens bien, Bigon. Je ne sais même pas. Hey! Nekwa na anyano. Ho! Ho! Akubo. Mwali chamu amu. Akubo. Mwali chamu amu. Mes salutations, Mazi. Salutations, Adanaya. Allez, approche-le. Va t'asseoir sur ses jambes. Va t'asseoir sur lui. Mais va t'asseoir sur lui. Je te parle, tu me regardes. Viens là. Tu ne m'écoutes pas ou quoi? On te dit de t'asseoir sur ses jambes. Tu me regardes comme une bête. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. Et sois confortable. Vous les enfants d'aujourd'hui, hein, vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Vous ne le savez pas. Maintenant, tu peux partir. Hein? C'est pour toi, ma chère. C'est pour tu toi. Ne peux pas répondre? C'est bon, hein? Ne sois pas avec elle. Merci. Tu peux partir, d'accord? Merci. Hey! Qu'elle laisse maintenant les hommes discuter.
father. Greetings, Oma. Ijoma. Oma is about to leave. So go and see him. Father, no, don't want to. Papa. Salut, Nai. Hey, salut, mes filles. Ijoma. Oma est en train de partir. Donc, va l'accompagner. Papa, je n'ai pas encore fini ce que je fais, non? Lève-toi de là et va l'accompagner. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Assam. Adamo. Aha. Avance. Adamo. Mazo Oma. Oui, ma chère. Pourquoi m'appelles-tu par ce nom? Je suis Adézi Bopa Oma. Oh, arrête ça. Je t'aime et tu es à moi. Tu es ma Oma. Tu comprends ça? C'est bon. Mon père a insisté que je vienne te voir avant que tu ne partes. Je l'ai déjà fait. Je peux partir maintenant? Non, non, non. Attends. Bien au contraire. Tu dois attendre. Nous avons quelque chose à nous dire. Je t'écoute. Bien. Ça concerne la dot que je suis censé verser pour me marier. Se marier à qui? Avec toi, bien sûr. Ah, tu sais, c'est une union et c'est une obligation. Mazouma. Oui, chérie. Je peux te poser une question? Vas-y. Quel âge a ta fille? Eh bien, vous pouvez avoir le même âge, mais elle peut être plus âgée que toi. Tu as une fille qui est plus âgée que moi et tu veux m'épouser? Que vas-tu ressentir si ta fille-là cherche à épouser un homme qui a le même âge que toi? Que vas-tu ressentir? Mais écoute, ça pourrait être un choix. Un peu comme... attends, écoute ta chère. Je suis vraiment riche. Je suis un riche commerçant et fortuné. Et sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui m'appartient, t'appartient aussi. Mazewoma, oui. S'il te plaît, j'ai un jeune homme qui cherche à m'épouser et je l'aime tant. S'il te plaît, dis à mon père que tu n'es plus intéressé. Je ne vais pas changer d'avis. Ok? Et par les dieux, si jamais je ne saisissais cet homme, je le tuerais à n'importe quelle occasion. Ce mariage n'aura pas lieu. Ça ne marchera pas. Ça a déjà marché. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Si je ne t'épouse pas, personne d'autre ne le fera. Défie-moi. Défie-moi pour voir si tu vivras pour le dire à qui ce soit. Allons-y. La prêtresse de notre terre. Bienvenue chez moi. Tu n'as pas répondu à ma proposition. Bien, je suis désolé. Avec tout respect, ma prêtresse, je ne t'épouserai pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et je ne veux pas que tu regrettes les conséquences de cette décision. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Tu ne vas pas comprendre. Quand le temps viendra, tu vas regretter de cette décision. Je suis les yeux des dieux. L'invincible prêtresse des dieux de la guerre. On verra bien.
la prêtresse des dieux de la guerre, prononcée par le dieu irréversible de la terre de Omodike, investie par le pouvoir de ténèbres, la mystérieuse prêtresse, j'ordonne que ce royaume soit brisé par la maladie, la mort, les gémissements, la distraction et le deuil, jusqu'à ce que Tiki change d'avis et me pousse. Il n'y aura pas de remède pour qui que ce soit. J'ordonne la mort, la mort, la mort, la misère, la misère, le pleur. Greetings, Azamo. Greetings, warriors of our land. Greetings, Azamo. I hope all is well. All is not well, Azamo. You know it. Salut, Azamo. Salutations, les guerriers de notre village. Salut, Azamo. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien, Azamo. Et tu le sais. Je suis venu pour savoir. Je suis là pour découvrir ce que disent les dieux par rapport aux événements, aux calamités qui arrivent à ces terres. Les dieux demeurent silencieux. Ils ne m'ont encore rien dit du tout. Non. Silencieux. Silencieux, tu as dit? Non, aisément. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Nos gens meurent. Des cadavres jonchent les chemins partout dans cette communauté. Tu dois te promener un peu dans le village pour découvrir les choses toi-même. Dike, dois-je me promener dans les coins de ce village comme un homme ordinaire pour voir les choses de moi-même?
Je les vois partir d'ici. Je vois la maladie, la calamité partout. La terre est en danger. Je peux voir combien nous sommes en train de risquer. Dis que j'ai essayé de consulter le Dieu. J'ai essayé de trouver une solution à ces problèmes. Mais le Dieu demeure silencieux. Je pense que la solution à ces problèmes se trouve auprès de la déesse de la guerre. Elle doit être consultée pour plus de clarté. La déesse de la guerre? Tu veux dire la prêtresse Adora? Oui, prêtresse Adora. Vous devez la consulter immédiatement. Ce genre de choses. Dirons-nous que les dieux sont endormis? Hein? Mais qu'avons-nous fait pour causer la colère des dieux? Maman, quoi, mon? Quoi? Marmo. Okomo. Okadike. Les grands guerriers de notre terre. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Mériter cette calamité qui détruit notre terre. Oh, Kadike, juste regarde-nous. Regarde comment on s'écrase comme des singes. En plus, les gens sont en train de mourir de partout. S'il vous plaît, les femmes de notre terre. Hein? S'il vous plaît, écoutez, nous sommes en train de gérer la situation. Ok? Ouais, nous nous en occupons. Hey, vas-y doucement. Désolé. S'il vous plaît, écoutez, nous allons contrôler cette situation. Nous ferons tout pour la stopper, ok? S'il vous plaît. D'accord? Quelle solution? Hein? Quand est-ce que cette solution nous parviendra? Hein? L'autre va tous mourir.
Nous partons chez Os. Il doit trouver une solution. Il doit nous trouver une solution aujourd'hui même. Allons-y. Allons-y. Pardon. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir la prêtresse immédiatement. Il a une malédiction sur la terre. Nos gens meurent. C'est une tragédie. Mais que se passe-t-il? Est-ce que les dieux sont fâchés contre nous? Quel que soit le cas, nous devons le savoir. Mais pour le moment, nous devons aller chez Osezibo. Et de là, nous procéderons chez la prêtresse Adora. Pourquoi? Mais Ezemo a dit que... Ezemo n'a rien dit. Écoute, Ibekwe. Le dirigeant de cette terre doit aller avec nous chez la prêtresse Adora pour la consultation. D'accord. Quelque chose qu'on doit faire, faisons-le vite. Ijoma! Get us all offensive will come out! Prestige of our land! I hope there's... Ijoma! Ijoma! La fille d'Ise vous sort! Prêtresse de notre terre. J'espère que tout va bien. Mais attention, ma prêtresse. Qu'est-ce que les dieux désirent de moi? Prêtresse. Les dieux! Ton choix, c'est pour aller à la forêt au Biogu. Dans la terre des esprits pour sauver la nôtre. Elle est celle qui est choisie pour apaiser les dieux. Pour tempérer la justice et la miséricorde. Enfin, de stopper la calamité qui détruit cette terre. Sinon, la ruine envahira cette terre. Particulièrement ta famille. Je ne comprends pas ça. Prêtresse, je ne comprends pas. Comment les dieux peuvent choisir ma fille d'aller dans la forêt maléfique pour sauver quoi que ce soit? Comment les dieux peuvent la choisir? Es-tu en train de questionner les dieux? Je ne remets pas en question les dieux, mais je te pose une question. Toi, la prêtresse, toi qui es l'œil de Dieu. Prêtresse, s'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, pitié. S'il vous plaît. Ezeli, tu as 7 jours. Je répète, il te reste 7 jours. Pour toi d'aller dans la terre des esprits, enfin d'ôter la cause qui ronge cette terre. Prépare-toi pour accomplir cette tâche. Offre-toi aux dieux. Non. Je ne peux pas comprendre ça. Comment peut-on dire que ça doit être ma fille? Ma fille, celle qui n'a aucune expérience. Qui n'en sait rien des esprits. Comment elle pourrait être celle que les dieux vont choisir d'aller dans la forêt maléfique? S'il te plaît, le dieu connaît tout. Il
Ils sont plus sages que les hommes. Même dans ça? Papa, personne ne peut les questionner. Laisse-moi aller voir le leader de femmes. Je reviens bientôt. Les dieux de nos ancêtres. Pourquoi? Pourquoi c'est ma fille? Ma petite fille. Pourquoi c'est ma fille que vous avez choisie? Je vous salue, leader des femmes. Salutations, ma fille. Peu importe ce qu'un mortel cherche, cela doit être très important pour lui. L'hibou ne se promène pas en plein jour pour rien. Si seulement il le fait, c'est qu'il y a quelque chose. Tu dis vrai, ma fille. Alors, qui est l'hibou? Et c'est quoi cette chose? C'est moi, l'hibou. Et la malédiction dans cette terre doit être brisée. Ma chère, la prêtresse avait dit que quelqu'un devait se rendre à la terre des esprits pour réverser le sort. Et personne n'est capable d'aller si loin jusqu'à la terre des esprits pour se battre contre le sort maléfique de cette communauté. La prêtresse m'avait personnellement dit que même Ezeou ne peut rien faire contre les dieux. Bien, la prêtresse nous a aussi dit ça. Elle vient à peine de quitter l'île de mon père maintenant. La prêtresse? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les dieux ont finalement intervenu pour sauver cette terre dans cette malédiction en pointant une femme. Une femme? Oui. Et alors, qui est cette femme? Celle qui est devant toi. Hein? Mais qu'est-ce que tu essaies de raconter? Hein? C'est bien moi. C'est moi qu'on a choisi. La prêtresse l'a elle-même dit. La prêtresse? Aïe. Ichiaibe. Ozo. Obinelewam. Je ne sais pas pourquoi les dieux ont décidé de choisir ma fille pour une affaire aussi délicate. Je ne sais pas. Ozo. Ezibo. Ichie. Je sais ce que tu ressens. Mais tu dois aussi comprendre que les paroles des dieux ne sont pas les nôtres. Que ta fille soit choisie par les dieux et noble à sa manière. Noblesse ou pas noblesse, je soupçonne un piège. Comment ça? Oui. Je crois que la prêtresse a un objectif caché. Ozoé, Ezibo, s'il te plaît, cette demoiselle est l'œil des dieux dans ce royaume. Mais c'est ce que je ressens. Mon intuition ne me trompe pas. C'est ce que je ressens. S'il te plaît, maîtrise-toi. Elle risque de t'entendre. Tu sais qu'elle a de très longues oreilles. Et tu penses que je m'en soucie? Oh, tu penses que je m'en soucie? Qui s'en soucie? S'il te plaît, maîtrise-toi. Les dieux ne peuvent pas avoir tort. En passant, où est ta fille, Idioma? Elle est allée voir la responsable des femmes. Peux-tu imaginer? S'il te plaît, apaise-toi, mon frère. Obia Boam. Ma fille,
Le voyage pour la Terre des Esprits est très difficile, surtout pour une femme comme moi de revenir. Mais le Dieu connaît le meilleur. Et je crois en leur jugement. Ma chère fille, quand le Dieu choisit une personne, il ne la laisse pas, ils vont l'aider. Hein? Voilà pourquoi je t'ai venu te voir. Et ton père, comment est-ce qu'il le prend? Mon père ne l'a pas accepté. Il a même fait un challenge à la prêtresse. Oui, que le Dieu ait pitié. Leader des femmes, ma fille. Alors, comme les dieux m'ont choisi, je suis prête pour partir. Je dois arrêter cette malédiction. Mais je ne suis qu'un novice dans ce que les dieux disent. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Leader des femmes, aide-moi. D'accord. Tu reviendras ici après 3 jours au travail, ok? Je te fortifierai. Mais avant cela, j'ai quelque chose pour toi. Why is the priestess doing this to me? What exactly have I done to deserve this type of cruelty from her? Pourquoi la prêtresse me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait exactement pour mériter une telle cruauté de sa part? Même si j'ai offensé les dieux, certainement ça ne serait pas les dieux de la guerre que j'ai offensé. Mon esprit continue de me dire qu'il y a un piège dans ceci. Pourrait-il que la main du défunt Ozokonko soit impliquée dans ceci? Non, il est très aveugle pour connaître le chemin des dieux de la vengeance. Ma fille va au pays des esprits. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Mon amour. C'est impossible. Tu ne vas aller nulle part. Mon amour, est-ce que tu peux te calmer, je t'en prie. Assez. Tu n'iras pas. Toi, aller dans le monde des esprits pour renverser une quelconque malédiction? Non. Tu ne feras pas ça. C'est pas fait pour des gens comme toi. Tu ne le feras pas. Ouais. Je vois. J'étais allé chez la prêtresse Adora 3 fois et je ne l'ai pas vue. Ok? Elle est en train de m'éviter. Peut-être. Je perçois une manigance. Je perçois une manigance quelque part. Si ce sont les dieux qui l'ont décrété, je pense que personne ne peut rien faire à propos. Les dieux ne peuvent pas décréter quelque chose d'étrange comme ça. Ce n'est pas possible. Je connais les dieux que je sers. C'est exactement ce que mon père aussi avait dit. Mais qui sommes-nous pour s'opposer à la volonté des dieux sur cette terre? On ne peut pas. Ijoma, va à la maison. Va à la maison et attends mes ordres. Je dois voir les leaders de femmes aujourd'hui. Je m'avais dit de passer pour la fortification. Qu'est-ce que tu me dis encore? Tu ne feras pas chose pareille. Tu ne feras pas chose pareille. Écoute-moi, Ijoma. Va à la maison et attends mes ordres. Ne va nulle part. Tu m'as entendu? Ibekwe. Dike. Ojadike. Dike. La maison de son père et assurez-vous qu'elle ne quitte pas sa case. Dike. Je reviendrai dans quelques jours. Partez. Qu'est-ce que tu fais? Allez-y, ok, allons-y. Partez. Dike. Avance.
greetings. Ezemo. Salut. Ezemo. Greetings, the great warrior. What brought you out of your house this afternoon? Why are you supposed to be preparing for the war? Ezemo. Salut les grands guerriers. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de chez toi ce matin? Tu étais censé te préparer pour la guerre. Ezemon, quand la demeure de l'homme devient trop chaude pour lui, il commencera par chercher un endroit plus froid pour reposer sa tête. Quand le serpent monte sur le toit, c'est de la folie pour l'homme de toujours rester sous ce toit sans rien faire. Il fait quand te batanon nunte. C'est que le criquet a reçu une visite qui lui est désagréable. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi les dieux sont silencieux quand la calamité s'abat sur notre communauté. Donc a dit que la parole des dieux est différente de celle des hommes. Ezemo, es-tu au courant que la prêtresse Adora a trouvé une solution à la calamité qui s'est emparée de la communauté? Vraiment? Et c'est quoi la solution? Elle a dit qu'Ijoma, la fille de Ozon Ezigo, voyagerait dans le monde des esprits dans le but de renverser dont souffre cette communauté. Et ça, je l'ai trouvé très très inconfortable. Et c'est moi. Je ne suis pas d'accord. Okadike, si la prêtresse, qui est les yeux de Dieu, dit qu'elle a trouvé une solution, alors nous devons suivre ce qu'elle dit. Et c'est moi. La prêtresse peut être l'œil de Dieu, mais toi, tu es la bouche de Dieu. Écoute, tu ne peux pas nous laisser nous vautrer dans le noir. Tu dois avoir quelque chose à dire, s'il te plaît. Okadike, rentre chez toi. Laisse-moi rendre l'eau propre pour qu'on voit ce qui est à l'intérieur. S'il te plaît, Ezemo, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Écoute, tu es la bouche de Dieu. Et je crois vraiment à ton jugement. Je sais que tu as quelque chose à dire, s'il te plaît. Peux-tu toi-même consulter les dieux pour savoir ce qu'ils disent de cette calamité, s'il te plaît? Okadike, tu sais que Umudike doit une chèvre aux dieux? Et pour ça, les dieux sont devenus aveugles pour le problème. Ok, pas de problème. Dès que je quitte ici, je vais t'envoyer deux chèvres. Ouais, pour apaiser les dieux afin qu'ils disent quelque chose au sujet de cette calamité. Odogu! Okadike Odogu, dis-moi non, oui. Lève-toi. Lève-toi. J'ai toujours su que tu as le cœur de ton père, le grand guerrier de notre royaume. Ne t'inquiète pas, je vais consulter les dieux pour toi. Quoi? Dike. La malédiction dans le royaume d'Umudike ne provient pas des dieux. Je ne comprends pas. Que fait-elle ici? Elle? C'est qui ça, Ezemo? La prêtresse de la guerre elle-même. Elle a soudainement apparu ici. Okadike, la malédiction derrière le royaume d'Umudike ne provient pas des dieux. Je peux voir un complot. Je peux voir la main du singe dans la soupe. La main du singe est dans la soupe. Et elle doit être retirée avant qu'il ne devienne le tour d'un homme. Adieu, vous êtes bien, 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 vous ê
coup. Aisez-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que nous allons faire, hein? Qu'est-ce que... Ce sort vient de la prêtresse du mal des Zélus. Quoi? La prêtresse? Prêtresse? Il y a un complot. Complot. Conspiracy. Conspiracy. Conspiration. Conspiration. Comment est-ce que quelqu'un peut aller dans le monde des esprits et revenir vivant? Qui est même qualifié pour faire ça? Quelque chose cloche quelque part. Définitivement, ce n'est pas Idioma. Idioma n'est qu'une enfant, elle ne connaît rien. Non. Ouais, Idioma. Salut, Okadike. Idioma est dans la maison de son père. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je suis venu te donner un message de la part de Osezibo. Quel est le message? Il ne me l'a pas dévoilé. Ibeko, je t'ai donné une instruction sur ce qu'il faut faire. Osezibo s'occupe de la responsabilité que tu nous avais donnée. Et je suis venu juste te transmettre le message et je vais rentrer. Message transmis, Ibekwe. Retourne à ce que je t'ai dit de faire et ne quitte plus jamais là-bas. Okadike, tu veux dire qu'il y a une conspiration dans tout ce qui se passe? Ouais. La terre de Umudike n'est plus en sécurité. Je perçois un complot. Salut. Notre feu leader, Ozone Konko, n'est pas mort naturellement. Quelque chose cloche quelque part. Je crois que je suis d'accord avec toi. Parce que je me rappelle t'avoir entendu dire un truc de ce genre avant. Mais laisse-moi te dire ceci. Il faudra que tu sois très prudent avec Ozo et Zigbo. Son humeur à ton sujet parle d'une autre histoire. Je le sais. Ouais, je le sais. Je le sais, je le sais. J'ai compris. Oh! On me dit que la terre de mes aïeux. Hey! Que le Dieu soit loué. Okadike dit vrai. Je le disais, je n'ai jamais cru au message de la prêtresse. Mais Né, pourquoi est-ce que la prêtresse veut seulement que moi j'aille là-bas? Si les dieux ne l'ont pas dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? Né, si c'est alors vrai, je vais perdre mes chances de vivre. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Né, je pose une très bonne question. Le leader des femmes m'a demandé de passer pour la fortification. Dit qu'elle m'a interdit de partir. Et toi aussi tu l'acceptes. Mais pourquoi? Nem.
remercie le Dieu parce que tu as un homme comme Dike qui lit à travers les lignes. Et vous, prêtresse, prêtresse, je ne vais plus croire en cette femme. Plus jamais. Je suis confuse. Ne le sois pas. La vérité a déjà éclaté. Hey, prêtresse. Pourquoi tu veux tuer ma fille? Ozo, j'ai pas compris ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu comprendras bientôt. Garde! Garde! Tu me dis que tu ne sais pas de quoi je parle, non. Tu vas comprendre. Donc, Ozo, tu as appelé tes gardes pour m'attaquer? Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Comme je ne veux pas que tu épouses ma fille, tu as comploté avec la prêtresse pour prendre la vie de ma fille dans le pays des esprits. Ozo, je suis désolé. Avec tout respect, je ne peux pas attendre ici. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Désolé. Ok, ok, ok. Ce que tu dis est que je dis des bêtises. C'est ce que tu dis? Garde, attaque-le. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tu veux m'attaquer? Tu veux attaquer ton futur roi? Hein? Ton futur roi. Ok, vas-y, attaque-moi. Vas-y, attaque-moi. 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 Toi, tu es un imbécile. Ozo. Tais-toi. Avec ta forme-là, tu n'as rien dans tes os. Ta forme n'est que futilité. Regarde-moi ça. Tu n'es rien d'autre qu'une légume fanée. Avec toute ta forme-là, tu ne peux pas le battre. Ozo. Je pense qu'il a des pouvoirs. Que ce pouvoir te tue là-bas. Tu n'es pas honte de ce que tu dis. Tu n'es pas honte de ce que tu dis. Tu me parles de pouvoir. Idiot. Imbécile. Laissez-moi. Quoi? C'est quoi son problème? Je n'en sais rien. Sommes-nous responsables de ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que j'en sais?